Allez, plus fort, vers ça, la jambrière, vers ça. Plus fort, oui, mais vers ses jarrets. Touchez, s'il ne répond pas. Voilà. Ah, alors, à fond, qu'est-ce qui arrive? Non, non, on ne bouge pas. Voilà. Il faut que tu te déplaces vers ses hanches. Il va te faire face, là. Il faut que tu te déplaces. Voilà, derrière, il faut que tu sois derrière lui. L'allonge ton dos. Oui, ces amis-là avaient acheté un chien de qui valait du sou par les origines, si tu veux. C'était un Rottweiler aussi. Un Rottweiler aussi. Et en fait, ils se sont aperçus que les dents, elles poussaient de travers. Donc ça, c'est mort. Enfin, ouais. Je veux dire, en concours de beauté, bah, tu vois. Voilà. Et ben, ils lui ont mis des bagues. Ouais. Donc t'as de la dent, ouais, t'as de la dentisterie hallucinante. Ça, tu vois, et sur les chiens à qui il manque un croc. Et ce rot, il avait un. Je suis juste pas là. Voilà, ça c'est bien. Il faut que tu sois au niveau de ses hanches. Hein. Il doit. Là c'est bien, par moment tu n'y es pas assez, mais hein. Après il faut le renvoyer en avant. C'est un problème d'impulsion quand il rétrécit le cerf. Il ne faut pas que tu raccourcisses ta longe, parce que si tu raccourcis ta longe, il va faire un cercle plus petit et ça ne l'empêchera pas encore de rétrécir le cercle. Donc il faut... Tu veux quoi? Il faut qu'il avance. Avant, ta main gauche, elle ne doit pas revenir vers la droite. Déplie ton coude. Là, voilà. Non, pareil non plus. Voilà. Voilà. Il faut que tu sois souple dans ta main gauche.